Alors Alain, cette course, quel temps as-tu fait ? 1h06. 1h06. Très belle performance. Comment as-tu vécu cette course ? Est-elle... Une course très agréable, on démarre en descente et puis après on se retrouve sur la plage. Dans les rochers c'est un petit peu difficile, il y a un petit numéro d'équilibré. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, je pense à Jean-François Fourré par exemple qui a dû me prendre 300 mètres au moins dans les rochers. Mais bon, ça fait partie du trail. Et puis après on remonte sur courant, une course dans la campagne, une course très très belle. On fait aussi le sentier côtier, après avoir fait la plage et les rochers, on a le droit au sentier côtier, un petit peu les montagnes russes, mais c'est très bien. Et on termine donc après dans la campagne, c'est un plaisir de terminer dans la campagne, c'est vert. C'est agréable. C'est vert et tu n'as jamais été dans le rouge pendant la course ? Jamais. Non. C'est pour ça que je fais 1h06 aussi. Tu as bien géré. Ouais. 1h06, oui, c'est un temps quand même fameux. Ouais, c'est un temps moyen. Moyen pour toi ? Ouais. Il y a que la place qui est fameuse, alors là j'en reviens pas. On s'est retrouvés dans les 20 premiers. Jean-François doit faire 8e, je crois. Ouais. Et toi ? Alors qu'on pensait être 15e. Ouais. Alors qu'on pensait avoir une trentaine de coureurs devant nous. Eh bien. Je sais pas comment ça s'est passé là. Bravo Alain. Merci.